Merci. On va jouer une très vieille chanson aussi, du nom de La Légende d'Overhead. 1, 2, 3. Jouer dans un groupe, en particulier un groupe de rock, et en particulier un groupe de rock underground, je dirais que c'est une genre de polarité de deux extrêmes. C'est d'un fun incroyable et d'une difficulté presque insoutenable par moment. Genre, t'enlèves tout ton linge, puis tu pitches dans un lac glacé, puis tu te dis, je vais aimer ça. T'sais. C'est un peu comme, tu prends un gros risque. Pendant que je joue, ben, t'sais, c'est peut-être le seul moment là, où ce que, ben là, je pars. Là, c'est un autre monde, là, mais c'est comme une évasion, si on veut, temporaire. Mais c'est pas que je suis une différente personne, c'est que je suis pas là, je suis ailleurs. T'sais. Des concerts, normalement, j'essaie de me concentrer beaucoup, puis j'essaie de vivre la musique pour que ça rentre vraiment, j'essaie de le sentir avec tout mon corps, tout mon esprit, la musique. Ourselves a little bit like contemporary composers because we compose this music and we put it out. At the same time, we try and manage the business ourselves. And because we're doing it, I think that's what keeps us going. Our songwriting is going to lead us to where we end up, whether it's just where we are now or somewhere else, we'll see. On s'est fait chier pendant 8 ans de temps, ça va continuer encore, on se fait chier. Dans le fond, on représente un peu, dans le fond, qu'il y a même des jeunes qui sont frustrés sur des choses alentour de nous, puis peut-être même au niveau international ou sur la planète. On y va? Boris, on y va? Yeah.
Ah, c'est une belle fin quand même, hein? Belle conclusion. Ça peut être poche jouer devant 50 000 personnes qui s'en foutent, puis ça peut être super cool jouer devant 8 personnes qui sont complètement dedans, tu sais, fait que puis t'as tout ce qui se place entre. Évidemment, jouer devant 30 000 personnes qui sont toutes dedans, c'est un feeling pas mal intense, là. Tu débarques de la scène, t'es pas mal plein d'énergie, de rush, t'as pas mal plus d'adrénaline. Okay, we have several sets. Friends, is that it? No, not this one. Oh, no? Right, straight elevator, right down. Yeah. It takes 20 minutes. What is there? Where's the pilot? Okay. C'est tout, il manque pas d'autre monde, là. Where's the stage? No. Where's the freaking stage? Sir, no. Later. Okay. Hey, Joe, meet us back here after the show. Joe, we're going to be at Baton Rouge. Okay. A little chocolate tea. Perhaps a chocolate chunk muffin? I don't think so. Pour manger léger. Pour manger léger. Yeah, but there's always little details. That's your music playing right now. You know the cue, right? Yes, we do. What's the cue? Oh, yeah. Where's the cue? Where's the stage? No, Ben, just no. Hey, man. Nous avons le temps de jouer une dernière chanson. J'aimerais prendre cette occasion pour vous féliciter d'être du peuple incroyablement beau et d'être venu nous encourager dans notre spectacle. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer est-ce de faire de la musique pour du monde comme vous autres. Il n'y a rien, Chris. Donne-moi $1 million, est-ce que, puis je le refuse. Ma Chris. I'd like to thank everybody here, whether you're from this town or not. This has been a really cool moment, and I hope you had a really good time. This song is about somebody that goes completely insane, watching Rambo and Arnold Schwarzenegger and all these fucking machine guns day after day after day.
Yeah!